Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un display Pokémon Force Temporelle. Il est là, il est beau, je suis juste trop contente de pouvoir continuer à vous ouvrir ces boosters. Cette extension est juste magnifique et j'ai vraiment trop hâte de continuer à découvrir toutes ces belles cartes. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous reparler de mon partenaire, les gentlemen du jeu. Mon code promo Miss Jirachi 20 est toujours disponible pour avoir votre display à 160 €. C'est vraiment un prix dérisoire. J'ai vu certaines personnes en commentaire qui disaient que c'était cher. Malheureusement non, ce n'est pas un prix cher par rapport au marché actuel. Effectivement, il y a plusieurs années, les displays étaient beaucoup moins chers. Moi, j'arrivais à en trouver il y a une dizaine d'années à 120, 110 €. Mais maintenant, ça n'existe absolument plus. En français, les prix ont vraiment explosé. Et trouver un display à seulement 160 €, c'est vraiment une affaire. Donc voilà, je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus parce que certaines personnes ont même parlé d'arnaque alors qu'on fait tout juste pour vous faire plaisir. Moi, je ne gagne absolument pas d'argent sur les ventes et mon partenaire en fait très peu aussi de son côté. C'est vraiment une offre pour vous faire plaisir, très limitée. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer, je vous mets toutes les infos dans la description. Et nous, on va commencer cette ouverture tout de suite. Allez, c'est parti, on commence directement avec notre ami Irfoudre pour cette ouverture. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma première ouverture de Force Temporelle, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment eu des très très belles cartes. Et là, on veut continuer sur cette lancée. Je vous avoue que le but aujourd'hui, ça serait d'avoir une petite carte illustration spéciale rare, une alternative, ça serait vraiment top. Donc voilà, j'espère qu'on aura de la chance. Croisez les doigts pour moi. Latias, très très jolie celle-ci, je crois pas l'avoir déjà vue. Capsule énergie, Charby, Poichijon, et on commence avec Relicante directement, qui est potentiellement la carte que j'aime le moins dans cette série. Donc on commence par le moins bien, mais j'imagine que ça va aller crescendo. En tout cas, je l'espère. On est reparti. Oot-Oot, Terral, Aflamanoir, Charby, Metalos, Roserade, Keldeo. Super belle, magnifique. J'aime beaucoup ce Pokémon. Abo, Electek et derrière Coraidon en holographique. Je me suis rendue du coup à une avant-première chez les gentlemen du jeu à Paris. On a pu ouvrir des boosters, faire des tournois entre passionnés. C'était vraiment chouette. Et tout le monde a eu des cartes exceptionnelles. Bon, moi j'ai eu des petites ex, mais d'autres ont déjà eu des alternatives que j'ai pu voir et qui sont juste incroyables. Pikachu, Fantominus, Lusor, Roudfer, Pofin Copain Copain, Lugarok, Meditica, Excellang et Félinferno directement. Félinferno, je ne sais jamais comment dire. Ex, très très cool. Je l'ai vu passer cette carte un petit peu dans des vidéos, mais j'attendais de la voir. J'adore ce Pokémon, je le trouve vraiment cool. Donc je suis ravie de pouvoir le choper moi aussi. Le petit Félinferno, ok. Il existe aussi en version Full Art, et la version Full Art est encore plus belle, mais on commence doucement hein, ce début de display avec la version X qui est quand même très sympa, on va pas se mentir. On est reparti directement. Et d'ailleurs, si vous voulez voir cette fameuse journée que j'ai fait de tournoi, j'ai fait une vidéo sur Instagram, j'ai fait un petit réel et aussi sur TikTok. Donc voilà, il faut bien me suivre sur Instagram et sur TikTok. Tous les liens sont dans la description, mais c'est là où je vous raconte le plus ma vie. Sinistrail et les câbles. Oh ! Incroyable. Oh là là les gars, non mais attendez, là j'ai tout spoil. Bon, on n'avait rien d'exceptionnel derrière, mais on a la Master Ball les amis, directement en high-tech, qui fait trop plaisir. J'avais déjà eu une carte high-tech sur ma première ouverture, donc j'avais pu les découvrir, mais la Master Ball, il me semble que c'est potentiellement la meilleure. Donc je suis plutôt contente, elle est vraiment sympa. La Master Ball, ça rend vraiment bien en fait la carte rose comme ça avec la Master Ball violet et rose. Je trouve que c'est particulièrement joli. On la met directement sous pochette. Alors dans les displays, en général, on va avoir aux alentours de deux high-tech. Voilà, je pense, hein, il n'y a pas eu beaucoup de displays ouverts pour le moment. Mais deux high-tech au niveau des ex, 5 ou 6. Illustrations rares, 3 en général. Et après, on va avoir, il y a des golds, des illustrations spéciales rares qu'on espère aussi avoir. Et c'est ce qu'on va peut-être découvrir dans le prochain booster. Nous avons Gripat, Marill, Gringolem, un Solourdeau, Delcati, la capsule énergie booster temps futur, c'est très long. Paume de fer, Azumarill, Pikachu et un Melmetal en holographique. Au niveau des holos, j'ai l'impression qu'on a presque tout vu déjà. Il n'y a pas tant que ça dans cette série. Dans Fire Paradox, on en avait pas mal quand même. Et c'était plutôt plaisant. On est reparti avec un Colombo, Monsieur Mime, Raichu, mon homme veut cette carte absolument, il l'a en reverse, il la veut en normal. Donc maintenant, on l'a, c'est bon, Victini, très mignon, Pachmila, Ténéfix, Fort Ivoire, Noirfang, Bombidou et Virvoreur. Ok, bon,
Ça, c'est vrai, ouais. Ouais. Potentiellement pire que Rolicante, dire horreur. Je suis vraiment pas fan du tout. J'ai mal ouvert mon petit booster, c'est pas grave. Ok, allez, c'est reparti. Petite énergie, plante, frissonnie, tiboudet, très mignon. Très mignon le petit tiboudet. Chien chidou, rocabo de suie, bâton de masse, énergie brume, le pelage sablé, enfin le pelage sablé, médiéna, loup-garoc et épine de fer. C'est très, enfin c'est très drôle, je sais pas si c'est drôle ou pas, mais cette carte du coup je l'ai eu dans un deck, enfin un kit d'avant-première, en version non-holographique et elle est beaucoup moins sympa en version non-holo qu'en holo. On dirait limite une fausse carte, c'est un peu chelou, mais en version holo, elle est très très belle et j'ai joué cette carte, elle est très très forte. D'ailleurs, moi j'avais un deck temps futur qui marchait plutôt bien et j'ai gagné 2 games sur 3 contre des mecs en plus qui pesaient de ouf dans le monde du TCG. Donc voilà, j'aime bien les Pokémon temps futur. Gringolem, Chrysapil et Rugilune en holographique. Mais le temps passé est aussi pas mal, hein, pour jouer franchement. Il y a vraiment des mécaniques intéressantes avec les temps futurs temps passés. Je sais pas si c'est quelque chose qui va être beaucoup utilisé lors, par exemple, des prochains tournois à Londres. Et d'ailleurs, je serai là-bas, je serai présente au championnat européen. Donc voilà, si vous êtes là-bas et que vous me croisez, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Netram, Galopa, magnifique. Fulgudog, épine de fer, bah, du coup, qu'on a en reverse, ça va aussi. Hein. C'est juste quand elle a aucun holographisme, elle est un peu chelou. Tangali, c'est Coraidon X. Ok, la petite Coraidon. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue déjà trop de fois. Voilà, je l'ai trop, celle-ci, j'en ai marre. Donc, je ne suis pas plus heureuse que ça. D'ailleurs, je prends une bonne pochette alors que je devrais prendre les pochettes un peu plus basiques. Parce que du coup, celle-ci partira à la revente. Le Coraidon. Ok, pourquoi pas. On va vite le cacher par une meilleure carte. Si on a des meilleures cartes, mais pour le moment on a que 3 ultra rares, donc je pense que ça va arriver tranquillement mais sûrement. Au niveau de l'illustration spéciale rare que j'aimerais le plus, je pense que ça serait le Viridium du futur qui s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle, chef de fer, non vert de fer, c'est ça. Un Solourdeau, Frissonnie, Pikachu, un sécateur, Symbios, guide d'exploration, Latias, Frissonnie, Aflamanoir et chef de fer. Vous vous rendez compte, je l'ai appelé juste avant, j'ai dit chef de fer et je me suis trompée. Et il arrive en full art, magnifique, trop contente. Regardez-moi cette très jolie carte, chef de fer en full art. Oh, il est cool, hein, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup le fond comme ça avec les petits points, ça fait très informatique, tout ce que vous voulez, je trouve ça super cool. Puis les couleurs comme ça, le violet, le bleu, j'adore, je suis trop contente. Je vais la mettre ici, je cache directement Coraidon, d'accord, hein, parce que je vous l'ai dit, je ne l'aime pas plus que ça. Et puis on commence à en avoir beaucoup les cartes de Coraidon X, hein. J'ai l'impression que dans chaque série, il y a un Coraidon X et un Miraidon. Donc bon, en plus on les a en holographique. Si tu veux faire une collection de ces Pokémon, là t'as déjà de quoi faire, hein, largement. Skitty, Electek, Bourinos, Décodage de Décryptoman, Aiden, Boumata. Oh, ok, un petit reliquant. Malheureusement, je suis pas fan de ce Pokémon, mais c'est pas grave, je ne l'avais pas. Et derrière, deux Solourdeaux en holographique. Le petit reliquant. En plus, il y a quelqu'un au tournoi qui m'a donné sa carte. Enfin, donné, il me l'a pas donné, il me l'a donné 2 secondes pour que je puisse faire une vidéo. Je la trouvais tellement pas trop belle que je lui ai dit non, c'est bon, je veux pas faire de vidéo. Et là, elle arrive dans ma vidéo comme pour me narguer. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, mis à part le Pokémon, c'est les fonds marins comme ça, très très sympa avec les différents Pokés. On a Lumineon, là c'est quoi? On dirait Carapagos peut-être? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avoue qu'elle est pas, Elle est pas si mal que ça. Si seulement ça avait été un autre Pokémon que Rolicante, ça aurait été génial. Mais c'est vrai que je trouve vraiment pas beau, quoi. Il ne m'attire pas. Ok, allez, c'est reparti avec le prochain booster. Nous avons une petite énergie. Fire, Gripat, Marill, Gringolem, Lusor,
Capsule énergie, roue de fer, très sympa. Pauvre copain copain, apparemment cette carte est très intéressante pour les joueurs et ils sont tous en galère pour l'avoir. Voilà, je voulais vous donner l'information. Nous avons Doudouvet et Alligatueur. Alligatueur, c'était une galère parce que je voulais avoir les 4 cartes promo différentes des petits kits stratégie et combat. Et il me manquait Alligatueur et finalement on a réussi à l'échanger contre quelqu'un d'autre. Donc on était super contents et j'ai bien les 4 promos différentes. D'ailleurs, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo un jour sur ma collection de promos parce que elle avance bien. J'ai quasiment tout pour le moment. Déflaisance, Colossandre, Girafarigue, elle est vraiment belle celle-ci, hein, en reverse. Crocodile, pardon. Et derrière, Flotte Mèche en holographique. Plutôt mignonne cette petite carte de Flotte Mèche. Ok, allez, on est reparti. Et on arrive bientôt à la moitié du display. Il nous reste environ 4-5 boosters avant de passer à l'autre partie. Nous avons Meltan, Pifeuille, Chinchidou, Rocabot, Lugarok, Delcati, Capsule Énergie, Pomme de Pique, Bourrinos et Dryol. Cette carte est vraiment très sympa. Mon copain l'aime beaucoup. Tout à l'heure, il me l'a montré. Je lui ai dit oui, je la connais. Il me fait non, mais regarde-la, elle est vraiment belle. J'ai fait, ah ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle est canon. Dryol, c'est un Pokémon un peu sous-côté, je trouve. Il est vraiment sympa. C'est un beau dragon. J'adore les Pokémon dragons. De toute façon, c'est mon type préféré. Les boulets roux, Ponyta, Pijako, Super Dauphin, Nefli, Montracite, Monsieur Mime. Oh, les amis, magnifique. Waouh, elle est ouf. Oh ah non, mais elle est trop belle. Oh my god. Bon, Miraidon derrière, ça dégage. Nefli en illustration spéciale rare, elle est incroyable. J'avoue, j'aurais préféré un Pokémon, j'avoue, mais c'est pas grave parce que, en fait, regardez le nombre de Pokémon qu'il y a sur cette illustration. Donc, elle est vraiment belle. Attendez, on va la décortiquer d'un peu plus près. On va avoir un Lucario, Quartermac, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Un petit Quatox, enfin, petit, il est grand. Un Kurosinge. Assez vénère, franchement, hyper, hyper stylé. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses que j'ai potentiellement ratées. Mais elle est belle, hein. Attendez, je vous la remonte de plus près parce qu'elle mérite quand même d'être vue d'assez près. Elle est super belle. Waouh. Oh, elle envoie, hein. Oh non, mais je suis contente, hein, franchement. Très, très, très contente de cette carte. Je la trouve sublime. Je sais pas, en ce moment, les cartes, là, je trouve que c'est de plus en plus beau ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est assez cool. C'est vraiment assez cool parce que les illustrations spéciales rares et même illustrations rares sont incroyables de plus en plus. Je suis bluffée et je suis tout autant amoureuse qu'avant, voire plus des cartes Pokémon et des designs qui sont incroyables. Flamiaou, Balignon, Exelang, Chrysapile, Pomme de Fer, Bâton de Masse, Énergie Brume, Colombo, Golemastoc, ok, je l'avais pas encore vu celle-ci, j'ai l'impression, pourtant c'est une peu commune. Et Volcaropod en holographique derrière, d'accord. Ah, oh, je suis contente pour Nefli. C'est vrai que bon, un Pokémon, surtout là, on a tellement de Pokémon Paradox hyper stylés en illustration spéciale rare, mais celle-ci, elle est vraiment cool. J'aurais pu avoir bien, bien pire. Nous avons Doudouvet, Carvana, Abo, Tortipousse, elle est belle celle-là, franchement, elle est trop mimes. Commandant Ballet, Hurlequeue, Ténéfix, Gripatte, Métang et Serpento derrière en simple ex, mais qui fait le taf. Je l'ai déjà celle-ci, je l'ai chopée. D'ailleurs, il faut que je prenne une autre pochette. À chaque fois, je galère. À chaque fois, je prends les mauvaises pochettes. Ok, c'est bon. Le petit Serpento ex, donc qui est un Suicune du passé, qui est plutôt cool. J'adore Suicune. On va la mettre où? On va la mettre devant Reliquante. Et ça, c'est le dernier booster de la partie droite. Ensuite, on entamera la partie gauche. C'est une vidéo assez longue, évidemment, parce qu'on ouvre un display en entier. Mais on est toujours content de découvrir plein d'ultra rares différentes. Nucleos, Skitsy, Electek, Pelage Sablé, Netram, Galopa, Montracite. C'est dur à dire Montracite. Sinistrail et Coraidon en holo. Allez, on est reparti avec un petit Serpento juste après avoir eu le Serpento X. Qu'est-ce qui nous manque encore? On aimerait bien avoir encore d'autres illustrations rares. Une autre full art aussi, ça serait sympa. J'adore les full art. Girafarigue, Roselia, Bombidou, Rototope, Fortress, Labo Metal Pur, Golemastoc, Victini. Je l'adore celle-ci aussi, elle est trop cool. Salvio et magnifique Feu Persant X, incroyable. J'ai appris aujourd'hui qu'il s'appelait comme ça, Feu Persant. Je ne savais pas.
Pour tout vous dire, j'avais pas capté. Pour moi, c'était bah, Entai du passé, hein, c'est ça. Donc, feu persan, du coup. Plutôt sympa, un ex. J'aimerais bien l'avoir aussi en full art. J'adore Entai. J'adore ce Pokémon. Allez, on va le mettre ici. Franchement, cette série, elle est géniale. Hein. Elle est géniale. Je sais pas, c'est que des Pokémon hyper stylés. Tout est badass, tout est beau, tout est bien dessiné. J'ai vraiment un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Allez, Insolurdo, Frissoni, Thiboudet, Chinchidou, Déflaizant, Nefli, Scolossandre, Coudelangue. Magnifique, le Vivaldin, je suis trop contente. Elle est super belle. Le Vivaldin en illustration rare. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Comme vous pouvez le voir, on a toutes les saisons qui sont représentées sur cette carte, avec aussi les différentes couleurs des saisons. Je trouve qu'elle rend tellement bien, elle est vraiment très très belle et j'adore les détails. Enfin voilà, ça c'est un truc, il y a quelques années, on n'aurait jamais eu des cartes aussi belles quoi. Je trouve que, je sais pas, peut-être que les illustrateurs ont plus de liberté maintenant, qu'ils peuvent faire des choses un peu plus originales, j'en sais rien, mais en tout cas bah, ça paye et c'est vraiment super beau. Et ce n'est absolument pas un flop comme il y a écrit sur la carte. Très 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 contente. Allez, on la met sur le petit Serpentot, cette carte de Vivaldin, illustration rare, je la voulais absolument. Il y a aussi son évolution Aiden qui existe en illustration rare avec à peu près le même délire hein, au niveau de l'illustration, des couleurs et tout ça. Nous avons l'Éboulé Roux, Ponyta, Pijako, Doudouvet, Shaymin, magnifique, Décodage, Lucanon encore une fois, Pashmila et Dessolourdo en holographique à nouveau. C'est reparti avec le prochain booster. Je ne me lasse pas hein, de les ouvrir, il va y avoir encore plein de vidéos tant que ça vous plaît. D'ailleurs, merci beaucoup parce que vous avez été très nombreux à voir cette première vidéo Force Temporelle. Donc, je suis vraiment ravie des retours et vous avez kiffé, et moi aussi. Donc c'est parfait. Matoufeu, Tondeuse de main, je ne comprends pas cette carte, d'accord? Va falloir m'expliquer, quelqu'un m'explique dans les commentaires. Coraidon en holographique, ok. Allez, prochain booster. Je pense qu'il nous manque encore des ex, ouais, une full art. Puis une petite gold, moi je veux bien, hein. Abo, Tortipousse, Mediena, Fort Ivoire, Salvio, Archéodon, le Raichu en reverse, Tête de Fer en reverse, très très joli aussi, hein, avec cet effet reverse différent sur les cartes temps futur et temps passé. Et derrière, le Farigiraffe ex Terra Crystal, les amis, une carte que j'ai déjà eue lors d'une précédente ouverture, mais qui est très jolie. On la regarde de plus près avant de la mettre sous pochette, elle est sympa. Elle est sympa. Ça m'énerve en fait à chaque fois que je dis Farigiraffe, girafe, j'ai l'impression de mal le dire vu que je suis tellement habituée à Girafarig. Mais c'est bien un vrai Pokémon et c'est bien bah, l'évolution du coup hein, de Girafarig. Ça me perturbe vachement. Mais elle est super jolie cette version Terra Crystal. Je sais pas où je la mets. Je sais pas où je la mets. C'est une double et là j'aime plus les quatre que celle-là. Donc on va la mettre à côté. Voilà, on est reparti avec ce booster-ci. Nous avons une petite Énergie comme d'habitude, Imagmanu, Kleos, Insécateur, Skitty, Rubombelle, mignon, très mignon, Capsule Énergie, Paume de Fer, Thiboudet, Pelage Sablé et Garde de Fer en holographique qui est plutôt joli en temps futur. J'ai pas utilisé cette carte quand j'ai joué un petit peu lors des tournois, il faudrait que je regarde un peu ce qu'elle fait. Mais ouais, j'avoue que temps futur, ça me hype de ouf. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé. Topiko, Arbok, Grenipio, Caiminus, le Minotaupe, Hurlequeue, Zeraora, Lusaur, la capsule énergie et Melmetal. Encore une fois, celui-là, je l'aime pas trop. Le Melmetal, je vous avoue que c'est pas mon préféré. En plus, il lui faut 5 énergies pour pouvoir attaquer sur sa grosse attaque. Coup de fer à 230. Mais 5 énergies, c'est assez énorme. Nous avons Electek, Virovant, Girafarig, Roselia, planche de sauvetage. J'avais pas encore eu celle-là, d'accord. Pelage sablé, tondeuse de main, Rototaupe, Zeraora et chef de fer ex, magnifique carte que j'ai déjà eu aussi parce que j'ai quand même ouvert pas mal de boosters, hein. Et donc du coup le petit chef de fer qui est cool, je l'aime bien. Ok, allez, il va rejoindre Farigiraffe sur le côté ici. Vu que je les ai déjà et je vous les ai déjà présentés, pareil le chef de fer, il était dans ma vidéo du tournoi. Donc voilà, à chaque fois je vous montre tout ce que j'ai, même celle hors cam, j'essaye de vous faire des petites stories où je vous montre les cartes Pokémon que j'ai eues. Nous avons Vivaldin, Poichijon, Pomme de Pique, Misdibule, Garde de Fer, Charpedo,
Metalos, Chinchidou en reverse, Pofin copain copain en reverse, et Farfait Duvet. Je crois qu'on l'avait pas encore eu en holo celle-ci. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Ok, pourquoi pas. Il nous reste encore quelques boosters, mais plus tant que ça, donc j'espère avoir encore une petite full art, ça serait super cool. Et puis, pourquoi pas, une deuxième illustration spéciale rare ou bien une gold, hein, c'est comme vous le souhaitez. Bombidou, Rototo, Plébouleroo, Ponyta, Beraska, Fortress, très joli, Labo Métal Pur, c'est dur à dire, hein, certaines cartes. Ténéfix, Déflaisant et Épine de Fer en holo. Allez, on y croit jusqu'au bout, les gars, on arrive sur la fin, mais jusqu'au bout, je veux des ultra rares de qualité. Meditica, Boumata, Out Out, Terral, Roserad, Caldeo, Tête de Fer, Larvibule, Labo Métal et Cisaiox Full Art, les amis. Cisaiox Full Art, c'est la troisième fois que j'ai cette carte. C'est très drôle, c'est très drôle. Donc pour la petite histoire, cette carte-là, parce que j'en ai pas parlé encore sur YouTube, je l'ai révélée. C'est Pokémon qui m'avait envoyé le visuel. Je l'ai révélée il y a... Je sais plus quand, c'était il y a pas si longtemps que ça, peut-être le 3 ou 4. Et donc du coup, bah, je la trouve super sympa, j'étais trop contente de la révéler. Et ensuite, j'ai ouvert des boosters pendant mon tournoi. Je l'ai eu une fois, j'étais ravie. Je l'ai eu une deuxième fois pendant le tournoi, j'étais en mode bon là ça fait beaucoup. Et là c'est la troisième du coup que j'ai. Donc j'ai ma deuxième full art Pokémon. Malheureusement ça sera ce petit Cisaiox qui est absolument magnifique. Hein. Ouais, il est très très beau, attention. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que je veux bien d'autres full art. Je suis ouverte à d'autres propositions de cartes Pokémon ultra rares sans problème quoi. Mais je trouve ça très très drôle. Mais je trouve ça très très drôle parce qu'il me suit un petit peu partout, ce Cisaiox Full Art. Doudouvet, Carvana, Abo, Golemastock, Shinemin, Décodage, Terral, Relicante et Rugilune en holographique qui est mal coupée un peu, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est un peu mal coupée, mais pas. C'est pas très grave, j'en ai eu d'autres et je choisirai la plus jolie. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters avec celui que j'ouvre maintenant. Chapignon à flamme à noir, Voltoutou, Matoufeu, Sinistraille et les câbles, Pachmila, Tortipousse, Bâton de Masse et Flotte Mèche en holo. J'ai quand même l'impression que sur tout le display, il y a un tout petit décalage sur les holos qui me perturbe légèrement. Mais bon, on est habitué, c'est comme ça, hein, malheureusement, toutes les cartes ne sont pas nickel. Énergie, Tortipousse, Mediena, nous avons un petit Topico, Meltan, Lucanon, Fort Ivoire, Salvio, Drayol en holo reverse, un sécateur et Cisaiox X cette fois-ci que j'ai aussi les gars, j'ai tout là, j'ai l'impression alors qu'il y a tellement de cartes dans cette extension que je n'ai pas, mais il est quand même plutôt sympathique ce petit Cisaiox X, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup depuis des années, donc ça va, mais il reste 4 boosters et j'aimerais bien avoir quelque chose que je n'ai pas, voilà. Peu m'importe, hein, même si c'est une ex, quelque chose que je n'ai pas, ça serait super, super cool, s'il vous plaît. C'est parti, Larvibule, Belle des Neiges, Noirfang, Crocodile, à chaque fois j'ai envie de dire Crocodile, ce qui est le nom normal hein, d'un crocodile finalement, Fort Ivoire, Conviction de Mortimer, Virovent, Symbios et Alligator holographique. Ça j'ai déjà. Donc on n'est pas sur de la nouveauté pour le moment, mais peut-être que sur ce booster-ci, nous aurons quelque chose. Granipio, Caiminus, Vivaldin, Poichijon, Archéodong, Minotaupe, Hurlequeue, Guide d'exploration, Arbok et Volcaropod holographique, les amis. Deux boosters pour tenter la carte qui va compléter légèrement ma collection. On espère Pomme de Pique. Visdibule, Meditica, Boumata, Zeraora, beaucoup de A, Garde de Fer, Charpedo, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu cette carte, ça me paraît barjou, elle est très belle en tout cas, magnifique, Balignon, Vagomine, Emiraidon holographique, on mise tout sur ce dernier booster les gars, tout sur le booster Serpento, le dernier, après on a eu beaucoup d'ultra déjà, hein, vous me direz, mais c'est vrai que là j'ai envie de compléter avec quelque chose d'exceptionnel pour terminer. Coup de langue, Métang, Vagomine, Boscara, Tangalis, Dévouement de Bianca, Symbios, Rocabo, Métalos, magnifique. Je ne l'ai pas les amis, je ne l'ai pas, trop trop bien. Et derrière Drayol, mais on va s'attarder davantage sur ce très 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 joli Métalos en illustration rare. C'est vrai qu'on n'en avait eu que deux. Et c'était un peu dommage, j'aurais aimé en avoir trois. Et on en a trois, donc c'est parfait.
J'adore, il est dans la neige, il a l'air d'être très à l'aise. Et là, il y a un métalleuse derrière qui est en train de faire un genre de métalleuse des neiges, j'ai l'impression. C'est plutôt drôle. Franchement, elle est belle, hein. Elle est très très belle cette carte. Je la trouve super cool, encore une fois. Plein de détails et je la connaissais pas, donc c'est vraiment une découverte, une nouveauté et ça me fait très plaisir. Allez, c'est parti pour le récap. Je vous montre tout ce qu'on a eu. Au niveau des ex, on en a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ex quand même. C'est quand même pas mal, c'est beaucoup même, je trouve. Ok, ensuite, illustration rare, on aura eu le Métallos, le Reliquant et le Vivaldin. Donc trois, c'est tout à fait normal. On a eu Cisaiox et Chef de Fer en Full Art qui sont très sympas. Deux Full Art, c'est normal. Je préfère avoir ça qu'avoir une dresseur Full Art parce que bah, je suis pas fan des dresseurs Full Art. Ensuite, au niveau des high-tech, on en a eu une seule. Alors j'en ai vu parfois des displays avec deux, mais une ça me va, sachant que c'est la Master Ball, c'est la plus stylée. Et pour terminer, Nefli qui est quand même une carte absolument magnifique en illustration spéciale rare. Donc, je suis plutôt ravie de cette pioche. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà ouvert de cette série? Est-ce que vous avez eu des dingueries? J'attends de voir tout ça. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!